Il marche seul et en silence, en permanence. Il vit dans la nuisance et grisant, le temps est si lent. Ressent une douleur comme si son cœur était perforé par silence. 16h30, fin d'école, le répit est terminé. La maîtresse a demandé pourquoi il met l'école en été. Pas le temps de répondre, faut pas louper le métro. Chaque minute de retard correspond à une marque sur la peau. Il baisse la tête et marche vite sur le chemin du retour. Ses agresseurs qui le chassent le poussent à faire des détours. Le chemin qui le sépare de sa maison lui semble court. C'est seul enfant du collège à être pressé d'être en cours. Il arrive chez lui et va voir dans la poubelle. Il voit quelques bocaux mais surtout plusieurs bouteilles. C'est pas les deux polias que son père a bu la veille. Il va s'en recevoir avant de trouver le sommeil, c'est ça. Alors il prend une grande bouffée d'air, il pose ses affaires par terre. Il sait qu'il va prendre cher donc il s'enferme aux côtés de sa mère. Elle lui dit qu'elle est désolée que ça finisse de la sorte, mais on entend les coups de pied du père sur la porte. Personne n'y croit, pourtant tout le monde le voit. C'est chacun pour soi, c'est tous les mêmes. La maîtresse à l'école, lui qui le déconne, lui qui le décode, c'est tous les mêmes. Sa mère lâche ses derniers soupirs, son frère est soumis, donc il reste docile, c'est tous les mêmes. Il a préparé son sac, il veut pas que son corps craque, il attendra pas la fac, car c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, c'est tous les mêmes. La chambre des boucs animée par ce corps couché inanimé. L'enfant a vécu l'action mais n'y prend pas pour réalité. Cet être qui l'a allaité n'a pas eu le bon réflexe d'alerter la police. Il est trop tard, son père a sombré dans la folie. Ils vont finir dans la chronique, un alcoolique tue sa femme avec un brolique. Avec 3 grammes dans le sens, c'est plus dur de rester historique. Son père sonné par l'événement qui vient de se produire. Son personnage s'effondre, l'enfant profite pour s'éloigner de sa ligne de mire. Il trouve refuge sous un lit et sort son téléphone. Il pense à qui pourrait lui venir en aide. Personne. Il connaît pas les numéros d'urgence et n'a pas d'amis. Il va mourir seul comme il l'a été toute sa vie. Son père mérite l'enfer mais il peut rien y faire. Veut pas qu'il arrive la même chose à son frère. Pris d'un coup chaud, descend à la cuisine, chope un couteau d'un coup de coude. Il commence le boulot. Avec son arme blanche il sait qu'il ne fait pas le poids. Il doit maintenant survivre face à l'homme qu'il appelle papa. Le daron violent sous les coups, l'enfant devient violet. Avec comme dernière vision, son père avec un pistolet. Personne n'y croit, pourtant tout le monde le voit. C'est chacun pour soi, c'est tous les mêmes. La maîtresse à l'école, lui qui le déconne, lui qui le décode, c'est tous les mêmes. Il lâche ses derniers soupirs, son frère est soumis, donc il reste docile, c'est tous les mêmes. Il a préparé son sac, il veut pas que son corps craque, il attendra pas la fac, car c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, c'est tous les mêmes.